Salut à tous, c'est Apidrea et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve le jeudi 12 pour faire ma décoration de Noël de chambre. Donc tout de suite, on va ouvrir d'abord les cases des calendriers. Donc ça, comme d'habitude, je prends un cadeau au hasard. Là, on voit que c'est marqué Peter Pan. On va voir ce que c'est du coup. Oh, c'est une boule de Noël. Faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Pour vous la monter, dès que je fais. Oula, la boîte à s'ouvre. Et c'est technique. Elle ressemble à ça. Peter Pan. Ils viennent de chez Primark, mais nous, vu qu'on n'a pas de Primark, il y a dû commander sur un site internet qui vend. Donc le bon coin, Vinted. Donc là, on va ouvrir maintenant la case Kinder. Donc le 12, j'ai dit. Il est où le 2? Ah, ça doit être encore un 9. Attends, il est ici. Hop. Et voilà l'œuf. Du coup, on va le poser à côté. Et on va ouvrir la case Harry Potter. Donc là voilà, et le 12 il est là. Attendez, je vous déplace un petit peu. Vous voyez le 5, c'est que le 12 il est à côté. Donc il est là. Ah, j'ai cru que j'ouvrais une autre case. Hein, du coup, c'est une assiette pour manger à Poudlard dans la grande salle. Il a du mal là, sur le blanc à faire la mise au point. Voilà, vous l'avez eu un petit court moment. Du coup, elle est là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, il faudra juste le mettre dans les assiettes. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Donc il n'y a rien à monter là, c'était déjà tout prémonté. Donc maintenant, je vais vous montrer vite fait ma chambre. Du coup, je vais faire hors vidéo, mais il faut que j'enlève tout ça. Donc les images, les posters qui sont là. Ça, je vais le démonter. Donc je vais faire tout ça. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Parce que là, je sais pas si ça se voit bien caméra, mais du coup les vitres sont sales, donc du coup j'ai passé un coup, j'ai fait ma chambre avant de tourner le début de vidéo, pour la rendre propre, ce qui est logique, parce que après c'est difficile de faire avec la vidéo, donc on se retrouve plus tard. Donc là j'ai fini, donc tout est vide. Là, il y aura un premier sapin. Et derrière, là où il y a actuellement les musiques de Noël, il y aura un deuxième. Là, une chaise au cas où je dois accrocher là-haut. Et là, c'est tout ce que je mettrai. Donc, il y a un plaid. Ça, c'est de la pâte à fixer au cas où. Là, il y a ce qu'on a ouvert en vidéo. Le grand sapin, et après tout est dedans, dans un carton. Et un peu là. Là, il y a mon chat, donc ça se peut qu'elle monte. Du coup, j'ai mis. Ça, c'est le carton d'ouverture, mais je vais vous poser dessus pour que vous voyez bien. Donc là, j'essaie de vous replacer. Donc si vous entendez de la musique en fond, c'est normal, je décore toujours en musique.
Donc là, on va le mettre. Allez. Donc là, je suis en train de voir où est le pied du sapin. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'elle est pénible. Donc là, je mets les pieds. Donc ça, normalement, il me semble que c'est le troisième Noël où j'ai du coup le chat. Parce qu'avant, elle n'était pas parmi nous, elle n'était pas née. Donc j'espère qu'elle ne va pas juste détruire le sapin. Elle mord le carton. Je sais pas comment vous faites votre sapin ou si vous le faites en famille. Du coup, ben, c'est une meilleure ambiance, mais moi je mets toujours de la musique. Et du coup, il faudra que je fasse un autre sapin sur mon arrière-grand-mère. Parce qu'elle a 88 ans. Et du coup, attendez, vous bougez un petit peu là. Donc du coup, j'ai dit elle a 88 ans. Et du coup, faut que je le fasse parce qu'elle est vieille et elle a plus le... bon, y a la force de le faire. Mais j'ai plus le décor, elle adore. Oula. Ça c'est la... Tout à l'heure, je l'ai dit à mon père que j'allais faire un sapin. Tout ce qu'il m'a répondu, il m'a fait super. Parce que lui, il aime pas trop les faire. Voilà, donc il est regarde, fait. Donc, on va commencer par quoi. Je suis déjà avec l'autre. L'autre, il est très très vieux. C'était mon premier sapin, et du coup, avant, il appartenait à mon père. Il me l'a offert. Et du coup, après, je m'en suis acheté un autre parce que du coup, moi, dès que j'aurai mon propre chez moi, il y en aura pratiquement dans toutes les pièces. Il y en aura dans ma chambre, dans le salon, donc un grand. Et après, il y aura dans toutes les pièces de vie si j'ai des invités qui aient un sapin. Ça se voit qu'il est vieux, il perd tout. J'ai presque fini celui-là. Donc là, j'ai fini de l'ouvrir. Donc je vous repose là parce que je vais décorer bien en premier. Donc le basique. Le classique. Malheureusement,
reculer parce qu'il faudra mettre une crèche. J'en avais acheté, mais je me rends compte que j'en ai un peu. Ça, c'est Johnny O qui chante le Mistletoe. Ouais, vous verrez du coup les papiers. Normalement, vous allez l'entendre trois fois cette chanson. Avec l'original chanté par Justin Bieber, le deuxième Johnny O, et le troisième c'est par Lou, le youtubeur. Parce qu'il avait fait un cover. Donc celui-là, on va le faire en Harry Potter. J'ai mis du vert pour rappeler Serpentard. Et j'ai un rouge là. Là, ça va croiser un petit peu la verte parce que du coup, c'est peut-être pour les grands sapins, les garons. Donc là, le vert, on voit pas beaucoup. Du coup, on va mettre. C'est Hermione. Après, il y a Ron. Elle se dit parce que du coup, c'est le plus. Donc voilà. Oh non, on va le mettre en haut. Après, on a un risque par les logiques. Hop. Donc celui-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas regardé mes vidéos. Du coup, il est sur ma... Et il manque une dernière. Parce que c'est un pack de 4. Et c'est Edwige. Du coup, j'ai vu sur l'emballage que ça vient de chez Primark. Donc vous pouvez peut-être la retrouver cette année encore. Oula, ils sont un petit peu près. Du coup, voilà. Je suis derrière vous parce que je suis en train de.
coupe sur la table. Alors, on va prendre une guirlande n'importe laquelle. Parce que du coup, c'est une guirlande électrique. Il faut que j'arrive à détacher le bol dur qui s'est accroché. Du coup, j'en ai allumé une. Enfin, je l'ai mis en place et elle est comme ça. Du coup, on va mettre en bas du sapin les go Harry Potter. Ou pas, on va le poser sur le bureau. On va mettre plutôt la crèche. Il me semble que... Ah voilà. Pas être tradition en mettant Jésus que le 24 quoi. D'ailleurs il est là, je crois que j'ai crois que Saint Joseph c'est le ça, je l'ai eu dans un calendrier il y a 2 ans. L'ange, on va le mettre à côté, qui veille. Ah, il tombe. Donc là, il y a un chameau que j'ai mis à l'ouvert. La Vierge. Donc là j'ai mis le chat dehors, c'est pour ça qu'on est plus embêté. On va mettre un petit truc. Du coup il en manque juste un peu. Ça c'était une boule où il y avait des chaussettes dedans. Du coup je les mets que pour Noël. Donc là on va sortir tout le reste. Donc là, j'ai fait maintenant les huîtres. Ça va être compliqué peut-être à voir. Donc là, il y a le Père Noël. Lui, on le voit pas, il est plus clair. Les décos comme ça, je les ai eues quand j'étais tout bébé. Du coup, bah, je les garde parce que ça tient encore. Et si j'ai un enfant, je pourrais lui donner que... Parce que chez nous, ça se garde beaucoup de famille en famille. Du coup, bah voilà, j'ai fait 8. Donc là, on va terminer là pour... on va faire 2 parties parce que ça se fait un petit peu long. Donc, on se retrouve tout de suite.